Bonjour YouTube. Il y a très longtemps, deux espèces contrôlaient le monde, les humains et les monstres. Un jour, une guerre a détruit l'amitié entre ces deux races, entre ces deux espèces. Après une longue bataille, les humains étaient victorieux. Ils ont enfermé les monstres dans un souterrain avec des sorts magiques. Et des années plus tard, le mont Hebot en Dieu sait quelle année. Les légendes racontent que ceux qui ont grimpé cette montagne ne sont jamais revenus. Et donc YouTube, on joue à Undertale. Je n'y ai jamais joué. Ce jeu est sorti il y a je sais pas combien d'années. J'ai honte de moi, donc je vais le faire. Du moins le commencer et je vais voir. Il n'y a pas de raison. Undertale donc, très bien. Je ne sais pas si c'est un jeu manette ou clavier. Donc je lance ma manette. Je pense que c'est plus manette en vrai. Il y a plus de chances que ce soit manette. Hop. Au lieu de me dépêcher pour la vidéo, j'aurais très bien pu attendre que ça se passe. Ok, tout va bien. On reprend donc. Je pense que l'audio est bien. Presque tout. C'est quoi tout? Ah, c'est B, c'est très particulier. Le son est fort dans mes oreilles, mais sur OBS, il a pas l'air très fort. Donc je vais laisser comme ça. Je pense que ma voix est bien aussi. C'est dans le orange. Peu importe. Begin. Name the Fallen Human. J'ai envie de l'appeler Undertale, mais ce serait vraiment très nul. Qu'on va l'appeler Bob. Ça n'a rien écrit. Voilà, il nous faut un nom cool, donc voilà, on va l'appeler Bob. Non, ah. C'est sensible, hein, la manette. Ça semble parfait, non? Bob, c'est très bien comme nom. Et j'en profite, j'avais pas vu. Vite. Merci à Ocom3Pom pour le follow. Ok. Et on joue donc Bob. Salut, je suis Flowey. Flowey la fleur. T'es nouveau dans les souterrains, hein, toi? Ah, t'as de la... Oh là là, tu dois être tellement confus. Quelqu'un aurait bug. Il faudrait que quelqu'un t'apprenne comment les choses marchent ici. Je suppose que ça va être à moi de le faire. Je vais le changer. Je pensais à mettre en pause la musique, je suis navré. Ah non, incroyable. On va la mettre en bas, ma caméra. C'est à moi de t'apprendre comment faire. T'es prêt? Allez, on y va. Tu vois son cœur, c'est ton âme. Tu vois, ah mais non, c'est clavier souris. C'est vrai, je me souviens. Alors j'ai fait le début, j'ai vu le début du jeu il y a longtemps, mais donc je vois à peu près comment ça se passe le début. Je vois à peu près le système de jeu. Voilà. C'est ton âme. C'est le point culminant. C'est le plus important de ton être. Ouais, ok. Ah mais ça joue peut-être pas à la souris en fait, c'est peut-être que clavier. Ton âme commence très faible, mais tu peux l'améliorer avec tes niveaux. Qu'est-ce que elle... Ah non, LV. LV, tu sais ce que ça veut dire? C'est pour love, évidemment. C'est pas niveau, je peux savoir, c'est pas level. Tu veux un peu d'amour, n'est-ce pas? T'inquiète pas, je vais t'en partager un petit peu. Et ici, l'amour est partagé via des petites boules blanches qu'on appelle des paillettes d'amitié. Bon, ça va, je commence tout juste, je commence tout juste, ça va, tu n'as rien raté. Alors attends, c'est très mal passé ça, voilà, je vais mettre là. Tu commences, ça, voilà, ça commence tout juste.
T'as loupé l'histoire du début, mais bon. Des petites paillettes d'amour. Est-ce que t'es prêt? Allez, rattrape-en autant que tu peux. Je viens vraiment de commencer, c'est le tuto. D'abruti. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Je vais pas faire les voix de méchant, donc il va garder la même voix. Pourquoi est-ce que... Why would anyone up? Est-ce que j'aurais laissé passer une opportunité pareille? Je ne sais pas parler. Meurs. Ok. Et du coup, visiblement, c'est avec le clavier, c'est compliqué. Oh, quelle terrible créature! Torturer une si petite, innocente et pauvre personne. Ne sois pas effrayé, mon enfant. Je suis Toriel, le gardien des ruines. Je passe ici tous les jours pour voir si quelqu'un est tombé, et tu es le premier humain à arriver ici depuis un long moment. Mais viens, je vais te guider dans les catacombes. Ce chemin, suis-moi. Je veux attraper la lumière. Non. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit être innocent et pur. Laisse-moi t'apprendre comment fonctionnent les ruines. Les ruines sont pleines de puzzles. D'anciens mélanges entre les... C'est un mélange entre des pièges et des clés, des portes à ouvrir. Va être compliqué de tout faire en anglais. Hein. Il faut tous les quelques il faut les résoudre avant de passer à la pièce suivante. Quoi, faut que je le refasse? Non, tu l'as déjà fait, on s'en fout. Pour avancer ici, tu auras besoin de d'actionner plusieurs leviers. Ne t'inquiète pas, je me suis occupé du premier pour toi. That read sign. Reste sur le chemin, ok. Gros puzzle. Bravo, je suis fier de toi, petit être innocent et pur. Je vais pas l'appeler comme ça, à chaque fois ça va être long. Prochaine salle. En tant qu'humain qui vit dans les souterrains, les monstres risquent de t'attaquer. Tu auras besoin d'être préparé pour la situation, pour ce genre de situation. Cependant, ne t'inquiète pas, c'est très simple à faire. Quand tu rencontres un monstre, tu vas entrer en mode combat. Quand tu es dans un combat, tu peux lancer une conversation amicale avec lui. C'est tout pour le moment. Oui, c'est tout pour le moment. Je vais te laisser résoudre ce conflit. Apprends à parler avec ce mannequin. Vous avez rencontré The Dummy. Non, je vais lui parler. Comment on parle? Comment on bouge? Aïe. Ah, c'est peut-être que je suis obligé de faire fight pour l'instant. Ah, fallait que j'appuie au milieu, je suis trop con. Bravo! Mais attends, quoi? Mais je voulais lui parler, moi. Ben je sais. Donc là, elle m'a engueulé parce que je l'ai tapé, mais je ne savais pas comment lui parler. Il y a un nouveau puzzle dans cette pièce. Je me demande si tu pourras le résoudre. Oh mon dieu, la petite grenouille m'attaque. Ok, là je peux. Act. Frog it. Check. Je vais la complimenter. Ne comprends pas ce que je dis, mais elle était quand même flattée. Incroyable. Mais laisse-moi essayer de me battre. Mais Toriel.
The Western Room, la salle à l'ouest, est le... Ah, ok. Donc la salle de gauche, en fait, c'est le plan pour la salle de droite, donc je regarde. Voilà, il suffit de... Ok, c'est pas très compliqué. Mais non, mais j'ai... Faut que je te parle. Voilà le puzzle, mais... Prends ma main pour un moment. Non, mais... Non, mais stop. Toriel, tu m'aides un peu trop. Oui? Merci, Toriel, c'est gentil. J'aurais pu le faire, mais c'est gentil. Les puzzles sont un peu trop compliqués pour l'instant. Tu as fait très bien jusqu'à présent, j'ai rien fait, mais je t'en prie. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. J'aimerais que tu ailles jusqu'au bout de la salle par toi-même. Pardonne-moi pour cela. Incroyable. Bravo, bravo. T'inquiète pas, je ne te laisserai pas. Je ne t'aurai pas laissé. J'étais à peine caché derrière ce pilier depuis tout à l'heure. Merci pour m'avoir fait confiance. Cependant, il y a une raison importante pour que je t'aie laissé faire cet exercice. C'était pour tester ton indépendance. J'ai certaines affaires à régler et tu devras sans doute rester tout seul pour un certain moment. S'il te plaît, reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même. Par toi-même, si c'est ça. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone. Si t'as besoin de quelque chose, juste appelle-moi. Sois sage, d'accord? Non, je viens. Hey, c'est Auriel. Tu n'as pas quitté la salle, n'est-ce pas? Ou alors il m'a dit si j'ai quitté la salle, je sais plus. Il y a quelques puzzles, il faut que je te donne des explications. Ça peut être dangereux de te laisser les faire par toi-même. Oui, non, ok, c'est ça. Allez, un combat. Rabbit, rabbit. Excuse-moi, j'ai quelques conseils à te donner à propos des batailles contre les monstres. If you act, or fight. If you act a certain way or fight until you... Si tu leur parles ou si tu combats, ils ne voudront peut-être plus te battre. Ah non, si tu leur parles ou alors que tu les bats jusqu'à la fin, le plus longtemps possible, ils ne voudront plus te battre. Si un monster, je sais plus, oh, je suis fatigué. Si un monstre ne veut plus se battre contre toi, je t'en prie, lui aie un peu de pitié. C'est compliqué, hein. Là, il y a quelque chose là. Ah, ok. Hop, sauvegarde. Ouh, le combat. Brigitte. Une grenouille m'attaque. On va aller parler. On va la complimenter. La dernière fois, elle avait bien aimé. Elle ne comprend pas, mais elle est quand même flattée. Ribbit. Ah mais non, c'est... Ok, c'est ça, check. Crac. C'est trop bien. On va la complimenter encore une fois. Rabbit. J'étais pas loin de me... Je sais pas si je me suis pris les dégâts ou pas. J'ai du mal avec cette attaque. Je vais faire encore une fois, après j'essaie de faire preuve de pitié. Non, c'est bon. Eh bien, on a battu ce monstre incroyable. Je vais aller en haut en premier.
It's a Itaquam. Bah ouais. J'ai pris un morceau de. J'ai pris un morceau de bonbon. C'est pour mon menu. Monster Candy. Très bien, donc c'est un. C'est une potion. On va complimenter la grenouille, qui ne comprend pas ce qu'on dit, mais qui est quand même flattée. Eh bien, si elle est réluctante, parce qu'elle n'a pas envie de nous battre, alors on va l'épargner. On a gagné 2 pièces d'or, nous sommes riches. Là, il y a un monstre aussi là-dedans? Non. Ok. Comment je trouve ce qui se passe? Bon, je vais essayer. Hein. Oula, un nouveau monstre. Non, j'ai pas lu. La Wimsun. La Wimsun. Non, je voulais pas faire ça. C'est compliqué, hein. On va la consoler. Alors que tu as à peine dit ton premier mot, le Wimsum fond en larmes et s'en va. Oh, le petite bestiole. Bon, allez, on va tenter ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Wimsum. Non, je ne veux pas la fight. Comment on fait retour? Non, comment on fait retour? Comment on fait retour? Bon, je vais faire avec la manette, visiblement, c'est possible. On va la cons. Et voilà, comme tout à l'heure, elle s'en va à premier mot et elle fond en larmes. Ah, mais c'était pas compliqué comme énigme. Allô, c'est j'ai oublié la voix. Allô, c'est Auriel. Pour aucune raison en particulier, qu'est-ce que tu préfères? Cinnamon, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un truc au citron. Wow, allez, on va dire limonade ou. Non, ce serait très étonnant. Ou beurre de caramel. Je veux dire cinnamon, parce que je sais pas ce que c'est. Je vois. Merci. Allô, c'est Auriel. Tu n'as rien contre le beurre de caramel. Je sais ce que c'est après. Je sais ce que tu préfères, mais. Est-ce que tu m'en veux. Tu serais énervé si tu. S'il y avait du. Ah, du beurre de cacahuète dans ton plat. Bon, ok, je comprends. Merci pour être patient. Three out of four. Ok, donc 3 des 4 rochers rouges. Recommande you push them. Donc faut en pousser 3. Si j'ai bien compris. On va le consoler. Bah pourquoi 3 sur 4 ou je sais pas quoi, je les ai poussés quoi. Ok, bon là. Ah oui, il va falloir voir par rapport à en bas, je suppose. Ok, donc là tout droit ici. Ok. Tout en bas, paf, ici. Ok. Non mais j'étais trop à gauche. Elle est hyper sensible cette manette. Non. C'est que je gagne rien en me battant contre elle. Faut que je la tue pour gagner, mais j'ai pas envie de la tuer. Tu n'as pas lu le panneau en bas? Merde, il y avait un panneau, je l'ai pas lu. Est-ce que je vais. Non, on s'en fout du panneau. Ah! Trois rochers à pousser ou je sais pas quoi là. C'est là? Ah, il y en a deux là. Incroyable. On va d'abord s'occuper de la Wimsum. Hop, c'est bon. Et on va la complimenter.
Non. Sim Reluctant, et voilà. Mercy. Je t'épargne et je gagne 2 pièces d'or. Bon, essayons ça. Faut pousser les trucs. Non, faut pas tous les pousser. Ah ok, donc il y en a un des quatre qui ne voulait pas être poussé par rapport à tout à l'heure. Hey, oula, calme-toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me pousser comme ça, hein? Alors, tu me demandes de bouger, c'est ça? Ok, bon, pour toi, je vais bien. Hein? Tu veux me pousser encore plus? Très bien. À propos, et comment? Pourquoi pas comme ça? C'était la mauvaise direction? Ok, je pense que j'ai compris. Merci, Caillou. Hein? Ah, tu veux que je reste là-bas? Ah, tu me demandes vraiment beaucoup de travail. Oula, ça je ne connais pas. Donc là c'est le A, retiens. Oh putain. Ok. Ah mais non, faut que je batte les deux, c'est ça? Ah, je peux le flirter avec. J'ai donc bougé mes hanches et il a répondu en faisant de même. Je suis vraiment très séduisant. Mazel is ruminating. Allez, je vais faire encore une fois avec lui, je vais flirter avec lui. Je vais aller tout en bas. Ou purée. Non. Incroyable. Ça c'est pour sauvegarder du coup si j'ai bien compris. Oui, tu connais la souris un peu. What by when they leave and they'll get to the cheese. Bon, j'ai pas compris. Oui en gros oui je le sauvegarde quoi, c'est ça. C'est le trou de souris, c'est bien ça. Ça fait quelques temps que ce fromage là il est coincé sur la table. Bien. Est-ce qu'il est parti? Ce fantôme continue de faire très fort et de manière répétée en faisant semblant de dormir. Est-ce qu'on le bouge par la force? Non. Bah je pense qu'on n'a pas le choix. Le bouger par la force. Oui. Allez. Aircom, Napstablook. Quel enfer. Quel enfer à dire. Non, je ne veux pas fight. On lui sourit. Pourquoi tu pleures, mon vieux? Pleurer? On va flirter avec. Je ne suis pas vraiment d'humeur pour ça. Il semble un peu mieux quand même. On va continuer à lui sourire. Ah non, lui on lui a fait une blague là, c'est mieux. Allez. Cheer encore. Il va me montrer quelque chose. Oh, il est trop gentil. J'appelle ça le Dapper Luke. Est-ce que t'aimes bien? Continuons une autre fois. Je viens souvent, d'habitude je viens dans les ruines parce qu'il n'y a personne autour. Mais aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de sympa. Non, oh, je recommence à me laisser aller. Je me vais de ton chemin. C'est très gentil à toi, Napstabook. Et qu'est-ce qu'il y a à droite? Ok. Spell your back bell. Opposite go. D'accord, donc visiblement c'est une vente aux enchères au profit des araignées. Merde. Bon allez, je laisse mon argent là pour l'instant, il me sert pas on va dire. Ah, pour cette pièce, les araignées m'ont donné un donut. C'était le magasin des araignées. J'ai le droit à un donut. J'aurais pas dû.
Oui, là c'est pour dire qu'en bas il y a. Si j'avais su, j'aurais lu ça. J'aurais su qu'elle me donnait un donut et je n'aurais pas donné d'argent parce que je m'en fous. Rabbit, rabbit. Bon, mon ami ne m'écoute jamais. À chaque fois que je parle, et... il n'écoute pas en appuyant le bouton, en pressant le bouton X. C'est ça, appuie sur X. Bon, au moins tu m'as écouté. Alors, ça, je sais qu'il faut wiggle. Et wiggle et wiggle back. Purée. Ok, donc on va s'occuper de ça. On va lui parler. Il s'en fiche. Ok. Ok. Continuons à lui parler. I don't care. Continue, continue à en avoir rien à faire. T'es pas loin. Alors toi, on va continuer avec toi. On va flirter un peu. On wiggle tous les deux. Il lui fait un sexy wiggle. Ouais, mais y en a un qui fait ça, mais pas l'autre. Faut que je continue. Faut que je continue à lui parler, en fait. D'accord, quand ils sont en jaune, c'est qu'ils sont prêts à se rendre. Donc lui, il est prêt à se rendre parce que je lui ai fait ce qu'il fallait. Je vais le check pour voir, hein, ça se trouve. J'aurais dû le check depuis longtemps parce qu'il dit I don't care en boucle. Il semble méchant, mais c'est seulement parce qu'il a le. Bon, je sais pas. We are leech. Ah purée, ouais, mais comment je fais du coup pour lui? Ah il me joue, je le regarde danser. Donc il y en a un qui... Ok, on peut en les épargner un par un déjà, ça c'est une grande nouvelle. Maintenant on lui parle. Ah, il danse maintenant. Maintenant qu'on lui a montré de. Il était énervé parce qu'il avait peur de nous. Comme on lui a montré qu'on avait pitié. Enfin, qu'on pouvait faire preuve de. Si, de pitié. J'espère qu'on pouvait l'épargner. Il se met à danser pour nous. Incroyable. Alors, toi, tu dis quoi? Oui, ça, je sais. Bah, je l'ai fait. F4, oui. En gros, c'est le tuto des touches, quoi. J'ai entendu que tu étais plutôt que tu épargnais les gens, ce qui est sympa pour un humain. Monte sur Yellow, ouais voilà, c'est ce que je viens de découvrir. Quand leurs noms sont en jaune, on peut les épargner. Variable, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très très gentil. Ça aide beaucoup. Oui, j'épargnerai les gens. J'épargnerai les gens qu'il faut. Allô? Je viens de réaliser que ça fait que ça n'a pas été nettoyé depuis pas mal de temps. Je m'attendais pas à avoir de la compagnie si rapidement. Il y a probablement beaucoup de choses en train de traîner là, ici et là. Tu peux les ramasser, mais ne porte pas plus que ce dont tu as besoin. Un jour, tu pourras avoir quelque chose dont que tu aimeras vraiment et il faudra que tu il faudra que tu laisses tout ce que tu as dans les tout ce que tu as dans les poches pour le prendre. Je sais pas parler. Ici, il y a un bouton. Très bien. Ok. D'accord. C'est celui en bas à gauche. Acte. Ah bah lui il est déjà prêt en fait. Lui dès le début en fait. Bah en fait j'ai juste à faire. Merci, super. Comme ça lui il danse et je refais spare. C'est bon, je sais comment battre les premiers ennemis du jeu, c'est bon, j'ai gagné. C'est lui, l'interrupteur. Non. Ok. Ah. Non, je voulais ramasser. Je peux ramasser les trucs ou pas? Parce que c'est quoi ça? Ça a l'air bien. Ah oui, on peut ramasser. Ok, très bien.
C'est logique en même temps qu'elle nous appelle dans la salle où on peut ramasser les trucs. Ok, un combat contre une carotte. Végétoïde. Un végétoïde sort de la terre. J'ai un peu peur de ce que ça veut dire. Ce que c'est, dîner et tout. Je lui parlais, hein. Les plantes peuvent pas parler, abruti. Non, mais je suis. Oula, je suis nul. Check. Serving size. Pas contrôlé par l'usage, je sais pas. Incroyable. Parce que c'est Devour, mais comme c'est les trucs gentils, non, y'a rien. Ah mais non, mais je veux pas le manger. Donc Devour, je suppose que c'était goûter. Donc je vais pas le goûter. Dinner. Je lui ai proposé de manger avec lui, c'est ça? Eat your green. J'ai fait eat your green, donc j'ai mangé le truc vert. Et c'est bon, il était prêt à s'en aller. Ok, bon, on va faire tous les autres, hein, si ça rapporte des bonus. Merci, on les épargne. Bah, qu'est-ce qu'il danse bien? C'est parti, ça va. Ah oui, un autre fantôme. Je suis tombé dans un trou et je peux plus me lever. J'adore rire. Oula, j'ai pas le. Merci. Merci Nico 6171 et merci pour le host. Et putain, les alertes sont très basses. Je l'ai pas entendu du tout celle-là. Salut Nico. Les fantômes ne peuvent pas voler ici. Oh, attends. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Un autre végétoïde. Acte. Du coup, c'est dinner qu'il faut faire. Eat you green. Très bien. Hop là. Purée, je me suis quand même pris un dégât. Oh, je me suis pris deux dégâts, je vais mourir. Ouais, j'y joue sur PC, ouais. Je joue quand même clavier souris. Ah non. Bah on va manger, hein. Ça me permet. C'est quoi Ribbon? Ok. Visiblement, Ribbon, ça donne pas de vie. Et c'est ce qu'il me fallait besoin. Bah en fait c'est que j'y ai pensé trop tard. J'aurais dû prendre le patch FR. je m'en doute qu'il en existe, hein. Mais je regardais si c'était dispo sur Steam. Et comme c'était pas dispo que j'avais lancé le live, bah tant pis. Parce que c'est un peu long à mettre, je suppose. Enfin c'est pas que c'est long, mais c'est que c'est plus simple quand faut juste mettre sur Steam quoi. Voilà, 10 HP de plus. Mais ça me fait réviser mon anglais, c'est très bien. Il y a eu un sourire mystérieux. Eh bien, dinner, c'est parti. Ah, je l'ai raté. Non, je... Purée, mais je suis... Ok. Non, mais... Ah là là, c'est hyper sensible. Ça, c'est un enfer. C'est hyper sensible à la manette. Pas clavier souris, mais juste clavier... Oui, je sais, oui. Mais c'est que j'ai l'habitude de dire clavier souris. Mais c'est que, en fait, clavier, je connaissais pas... J'ai pas trouvé toutes les touches. Enfin, je pourrais regarder après, ce serait plus malin. Mais il faudrait que je joue clavier. Dinner, du coup. Cette fois, faut pas que je loupe... Je loupe pas le vert, ce serait bien. Tout va bien. C'est bon. C'est la première fois que je joue au jeu, donc je suis un peu nul en plus. Ok, donc... C'est où, option? Déjà, je vais utiliser ça, je pense. Il n'y a pas de bouton option. Non. Celle peut-être. Non. Je sais pas ce que c'est.
Oui, là je sais, je suis en plein écran là. Si j'enlève, ça fait cet effet dégueulasse. Hop. Je ne sais pas le bouton retour sur clavier souris. Sinon, j'ai trouvé les touches, mais le bouton retour, il y en a un peu besoin. Donc, moi, je pourrais faire les combats quand même au clavier. Ok, est-ce que j'actionne ça? On va d'abord regarder un peu la salle. Il y en a. Ok, il y en a trois. On va. Bah, j'ai besoin d'en actionner aucun, c'est déjà ouvert. Vais voir si c'est X. C'est peut-être X, mais. Elle me paraît pas ergonomique. L'emplacement des touches m'a l'air un peu pété. Donc, ok. Alors, acte. Non, mais. Ah bon, bah, visiblement, j'ai fait la bonne chose. Je voulais cliquer sur check, mais comme c'est trop facile. Bon, bah, j'ai gagné sans faire exprès. Bon, je vais réessayer avec la souris. Et du coup, bah, je m'en vais. Il y a besoin de rien. Ah, mais il y en a partout. Lire ça, appuie sur le bouton bleu. C'est bien X, merci. Ce qui est un peu particulier. Don't pick up. Please don't pick on me. Je suis un peu nul. Don't pick up. Pièce d'or incroyable. Ok, allons appuyer sur le truc bleu. Oui, rien ne se passe. C'est normal, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne salle. Je viens d'appuyer sur le bleu. Acte. Dinner. Voilà, ça va être compliqué avec deux. Hein. Déjà qu'avec un, voilà. Bon, j'ai foncé pour me prendre des dégâts, mais. Merci. Spare. Parfait. Ouais, mais j'ai fait le bleu là. C'était le bleu. Ça, c'est. On est bien d'accord que c'est le bleu. Ce switch, press it. Yes. Ah, mais j'ai pas lu ça. The far door is not an exit. CP marks. D'accord, donc en fait, c'est en basse peine sortie. Visiblement. Looks, don't pick up. J'ai quand même pas compris ce qu'il fallait faire. Ok, c'est comme ça qu'on remonte. Allez, sur un autre truc, hein. Alors qu'est-ce que c'est? Non. X. Merci, spare. Impeccable. Parce que lui, il appuie sur le bleu. Si tu veux appuyer sur ça, appuie sur le bouton bleu. Autrement, j'ai peut-être quand même essayé de mettre le patch français. Si je fais une pause de 5 minutes, j'essaye encore un peu cette énigme, sinon je fais une pause. Je mettrai le patch français, ce sera quand même plus simple pour la suite. Impeccable. C'est parti. Que lui du coup il dit. La porte, la grande porte, enfin la porte en loin, n'est pas une sortie. Ça marque simplement la rotation. Pas compris ce que tu voulais me dire si je fais demi-tour. J'arrive là.
Et là, il n'y a pas de... Bon, je... Ok. Je suis pas sûr, mais je crois avoir compris. Ici, je peux faire quoi déjà? Déjà, je peux faire spare, il y en a en moins, voilà. Ah bah oui, il faut que je fasse spare deux fois, c'est juste ça. Ici, voilà, ici, il y a un switch, voilà, c'est ça. Et perspective, ok, c'est bon. Parce qu'il était de l'autre côté du pilier, sur la salle du haut. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Le bouton rouge. Ah, fallait retenir sur le truc d'avant? Bah, je vais essayer juste d'appuyer sur le bouton rouge, mais je pense pas que ça se passe comme ça. Bravo. Oh, essayons juste le rouge. Il y a peut-être un piège. Non, c'est bon. Il y a peut-être pas de piège plutôt. Il y a effectivement pas de piège. Ok, ici. Alors le vert. Oui, mais ça, dans quelle salle c'était le vert? On va dire que c'était en haut. On va dire que c'était en haut. Pièces. Je sais pas à quoi sert l'argent. C'était le bon. C'est bon. Y'a rien ici, non. Qu'est-ce qui se passe en haut? Je suis pas allé en bas. Oh! Ça t'a pris plus longtemps, mon petit chéri, ça t'a pris plus longtemps que ce que j'aurais pensé. Ah oui, non, pardon. Oh non, ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Oh, mais comment t'es arrivé là, mon enfant? Est-ce que tu as mal? Attends, viens, 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 je vais te soigner. Tu devrais pas t'en aller. Je n'aurais pas dû te laisser si longtemps tout seul. T'es responsable d'essayer de faire une surprise comme ça. Oh, bon, je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Hein. Viens, mon petit. Je suis pas allé en bas, je vais aller en bas. Juste aller voir en bas parce qu'il y avait un truc. Donc t'as le magasin des... Avant que ça soit la suite du jeu. Juste entre toi et moi. J'ai vu Toriel qui passait là. Oui, en gros, il y a Toriel qui est passé, qui portait des trucs. Et il lui a posé lui demander pourquoi. Bon, je vais voir Toriel avant parce que c'est peut-être la suite du jeu, je sais pas. Est-ce que tu sens cette odeur? Surprise! C'est un... alors, cinnamon, je sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est une tarte. Je voulais un peu célébrer ton arrivée. Je veux que tu passes du bon moment en vivant ici. Alors, je t'ai fait une petite tarte. Je suis parti te faire une petite tarte pour ce soir. J'ai une autre surprise pour toi. On y est. Ta propre chambre. J'espère que tu vas l'aimer. Y a pas quelque chose qui est en train de brûler? Fais comme chez toi. Non, je vais d'abord voir ma chambre. Je vais me dormir, elle est trop mignon. Je suis parti me coucher, du coup, je trouve une part de gâteau qu'elle a déposée ici. Tout prévu pour accueillir des enfants perdus. Hein. Il y a beaucoup de pièces. Bon, forcément, il y en a une avec un truc. Ok, place en rénovation, je ne peux pas y aller. S'il y a des graines et des crayons cassés. Le journal de... C'est le journal de Toriel. Est-ce que je vais lire le passage entouré? Oui!
Tu lis le passage. Pourquoi est-ce que le squelette voudra un ami? Donc, parce qu'il se sentait... comment essayer de traduire ça? Je ne sais pas. J'essaie de trouver un autre jeu de mots avec os, mais j'en ai pas. La solitude, ossitude. Non, ça marche pas. Parce qu'il se sentait... Bonsoir, Sarasama. Je ne saurais pas comment traduire cette blague, mais bref. Bonne nuit. C'est effectivement le... Bah, je vais la... À la traduction de la blague, bah, j'ai compris la blague, mais je ne saurais pas comment la traduire. Ou sinon, c'est la traduction du jeu. Au bout d'une heure de live, à peu près, je ferai une pause pour mettre la... Pour mettre le patch FR, ça sera plus simple. Et là, oui, la blague... Je sais pas comment ils ont traduit dans le patch FR, mais... Là, j'ai pas trouvé comment la traduire. L'encyclopédie des plantes, Tifa. Un groupe de plantes. De plantes. Car ils n'osent pas parler aux autres. Incroyable. Le patch FR, incroyable évidemment. Bon, je vais mettre le patch FR après parce que. Visiblement, ils ont quand même fait pas mal de. En même temps, vu le jeu que c'est. Désolé, désolé. C'est très gentil d'avoir proposé. On va parler à Toriel. Allons voir ce qu'il y a à gauche. Je sais pas si je pense que ça. Ah bah elle est ici. Bon, allons voir ce qu'il y a en bas avant. Ah mais non, mais là je suppose c'est la suite du jeu du coup. Il y a trop d'endroits où c'est la suite du jeu, je ne sais pas. Je vais peut-être aller sauvegarder et prendre maintenant le patch FR. Parce que je suppose que. Enfin là je sais, j'ai vu ce passage-là. Et je sais qu'il y a une longue conversation. Enfin je l'ai vu il y a longtemps donc je ne me souviens plus, mais je me souviens quand même qu'il y a une longue conversation. Et donc ça va être un peu long et vu que je mets 3 fois plus de temps à essayer de traduire, désolé. Là, faut que là, il y a plus de personnes que tout à l'heure, mais je fais une pause du coup de 2 minutes et je vais installer le patch FR parce que ça va être plus simple pour tout le monde, ça va être plus sympa pour vous parce que ça doit être horrible d'essayer de devoir traduire et de galérer comme une merde. Alors.